Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui 2 décembre. Alors nous allons continuer à décorer notre table de Noël. Hier nous avons fait la nappe et aujourd'hui nous allons confectionner le set de table. Allez, c'est parti. Pour le set de table, il va nous falloir un morceau de tissu. Alors celui-ci fait 57 cm sur 43 cm. C'est un tissu d'ameublement que j'ai acheté au tissu myrtille. Voilà. Et ensuite, il va nous falloir un autre morceau de tissu qui va nous servir pour le finir dessous. C'est une cotonnade. Un tissu en coton, tout basique. Alors celui-ci va être un rectangle. Alors celui-ci fait 47 cm sur 32 cm. Voilà, il est plus petit. Pourquoi? Parce que nous allons en fait replier le tissu et faire un ourlet de à peu près 4 cm. Voilà, et ça va venir dedans. Ensuite, il va nous falloir du fil. Des épingles, un ciseau, il va nous falloir une règle et un crayon. Alors dans un premier temps, nous allons surfiler les bords du tissu. Donc moi je l'ai déjà fait avec une surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ça ne pose pas de problème. Vous faites au point zigzag. Avec votre machine, voilà, comme ça c'est une belle finition, il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est parfait. Pour faire notre ourlet qui va être de 4 cm, nous allons prendre les angles et nous allons mesurer 8 cm. Et 8 cm également de l'autre côté. Ensuite, nous allons rejoindre les deux points et tracer un trait. Et nous allons faire ça sur les quatre angles. Donc là, j'ai mon tissu à l'endroit. Il faut que je me remette au centre. Voilà. Là, j'ai mon tissu à l'endroit et là, j'ai mon tissu qui est à l'envers. Donc, je mets endroit contre endroit. Je prends l'angle du tissu que je viens en fait superposer sur l'endroit. Et je vais mettre une aiguille ici. Et c'est là que je vais venir faire une couture. Donc on fait ça sur les quatre coins de notre set de table. Donc ici, on retrouve notre trait où nous avons mis notre épingle. Voilà, et nous allons faire une couture d'ici à ici. Et nous allons faire ça sur les quatre côtés. Alors maintenant que nous avons fait la couture des angles, nous allons couper le tissu à 5 mm du bord de la couture. Donc nous allons faire ça sur les quatre angles. Ensuite, après avoir coupé donc, le surplus dans les angles, nous allons retourner le tissu sur les quatre côtés.
Et maintenant, nous allons pouvoir retourner notre set de table. Voilà. Donc, on obtient un angle biseauté comme ça sur l'envers. Ça fait une très très belle finition. Alors maintenant que nous avons retourné nos quatre angles, nous allons pouvoir faire le repassage, donc bien aplatir les quatre côtés. Voilà, j'ai repassé les quatre côtés du set de table, donc tout est bien aplati, les angles, et donc ça fait bien 4 cm d'ourlet partout. Vous vérifiez si ça fait bien 4 cm, c'est parfait. Donc là, nous allons prendre le deuxième morceau de tissu que je vous avais montré tout au début de la vidéo, qui se trouve un petit peu moins large en fait que le set de table, parce que nous allons le glisser dedans. Voilà, tout simplement, on va le mettre dedans. Donc maintenant, nous allons passer à la machine à coudre et nous allons venir coudre juste à quoi, 5 mm du bord. 7 mm, la valeur du pied presseur. Voilà. Nous allons coudre en fait tout le tour du set de table. Juste une dernière chose que j'ai oublié de dire, bien sûr, de positionner des épingles tout autour pour maintenir le tissu à l'intérieur et pour pouvoir coudre sans que celui-ci bouge en dessous. Alors, nous allons faire comme la nappe, nous allons partir sur une ligne droite. Et nous viendrons pour finir en fait repasser sur la couture. Et voilà, notre set de table est terminé. Donc ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Vous voyez, ça fait une finition très propre. Et après, ça peut passer à la machine à laver le linge, ça ne pose aucun problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce pour m'encourager. Je vous dis à demain pour continuer notre décoration de Noël, pour la mise en forme de notre table de Noël. Et du coup, demain, nous allons réaliser un autre projet qui sera la serviette de table en forme de sapin. Voilà, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.